Bonjour. Dans ce tuto, nous allons vous expliquer comment consulter l'état civil numérisé en passant par l'état des fonds. Pour entrer dans l'état des fonds, utilisez l'accès direct situé tout en haut de la page d'accueil et choisissez la rubrique état des fonds. L'état civil numérisé se trouve à la tête de l'état des fonds et vous pouvez le déplier en cliquant sur la petite flèche à gauche. Choisissez la commune qui vous intéresse, dépliez-la, puis naviguez dans les registres paroissiaux ou dans l'état civil. Vous pouvez déplier les différentes rubriques, choisissez ensuite le registre qui vous intéresse et vous pouvez l'ouvrir en effectuant un clic droit et en choisissant « Ouvrir le lien » dans un nouvel onglet. Dans cet onglet, vous trouverez la notice du registre, mais surtout les images derrière l'onglet « Visionneuse ». Vous retombez ensuite sur la visionneuse classique et pourrez parcourir le registre que vous avez sélectionné. Pour sortir du registre, vous pouvez utiliser la touche « Échappe » de votre clavier. Fermez l'onglet que vous avez ouvert pour retourner sur l'état des fonds et choisir un autre registre si vous en avez besoin dans votre recherche. L'utilisation du clic droit vous permet d'ouvrir le registre dans un nouvel onglet et de revenir facilement à l'état des fonds si vous avez d'autres registres à parcourir sans repasser par la page d'accueil, rentrer à nouveau dans la rubrique de l'état des fonds, etc., etc. Cette solution est une solution de contournement en cas de dysfonctionnement de la boîte de recherche qui vous permet de rentrer le nom de la commune. Elle ne fonctionnera pas si les images ne sont pas disponibles, mais elle permet de contourner certains problèmes dus à la liste des communes.